En 1793, la levée en masse de 300 000 hommes décrétée par la Convention girondine a déclenché la guerre de Vendée. Les paysans se sont soulevés pour défendre leur liberté et leur foi catholique, menant une guerre courageuse contre les forces républicaines. Mais la guerre de Vendée n'était pas seulement une guerre pour la patrie. C'était aussi une guerre pour la foi catholique, menacée par les lois révolutionnaires. Les Vendéens ont défendu leur foi avec détermination, risquant leur vie pour protéger leurs prêtres, leurs églises et leurs sacrements. Malheureusement, la guerre de Vendée a également été le théâtre d'un véritable génocide, où des milliers de personnes ont été massacrées par les forces républicaines. Les Vendéens ont été persécutés pour leur foi et leur culture régionale. Henri de la Roche-Jacquelin, l'un des leaders des Vendéens, a été un symbole de la résistance et de l'esprit patriotique. Malheureusement, après plusieurs années de lutte, les forces républicaines ont finalement vaincu les insurgés. Cependant, leur héritage continue d'inspirer tous les patriotes et catholiques du monde entier.